commence à la naissance, ouverture des yeux, libérage des sens. Écoute, touche, goûte et vois ce petit sentier où il n'y a pas de turvois, mais plein de cailloux qui glissent entre nos doigts. Pas de mauvaises surprises, juste des expériences. Il y a quand même des pics, pas toujours de la chance. Pas vraiment de conscience, mais un putain d'éveil. Une gorgée d'un truc bizarre dans une bouteille. On trébuche et on verse une larme. Visite aux urgences, mais ce n'est pas un drame. On reste calé sur ce petit chemin. On ne se pose pas la question de quoi sera fait demain. On trotte, on marche, on court, on pédale. On zozote, on bafouille, on crie et on parle. Là, on grandit, on devient un mâle. On atterrit maintenant sur une route nationale. C'est le trajet d'une vie. Du berceau à la tombe, c'est souvent une ligne droite. Le trajet d'une vie. Si on sortait de la file, allez hop, je déboîte. Je suis ado, je me balade attentif aux arbres. Leur feuillage, les belles plantes ne me laissent plus de marbre. Brune, blonde, rousse, colorée, façon passe. Je les mate, je barre et après je trace. Mais y en a une que je croise régulièrement. Une bonne kilométrique qui me l'adresse évidemment. Je l'aperçois de loin, bourrouge instantanément. Elle s'appelle RN, qu'elle perd de 1 pour 16 ans. On découvre cette aire d'autoroute où en plus de fumer l'herbe, eh ben on la broute. On avance main dans la main, on lâche même des proutes. Mais on se croque tellement qu'on arrive à la croûte. On tire le frein à main, c'est le début des doutes. On fait genre rebelle, ouais j'en ai rien à foutre. La vie est devant moi, un premier amour c'est quoi? Je viens d'avoir mon bac, faut que j'accélère le pas. C'est le trajet d'une vie. Du berceau à la tombe, c'est souvent une ligne droite. Le trajet d'une vie. Si on sortait de la file, allez hop, je déboîte. On arrive enfin sur l'autoroute de la vie. Un adulte responsable et un bon mari. On trace Renault Espace, on embarque la famille. On a notre objectif, on oublie la pause pipi. Notre but, arriver premier. Alors sans scrupule, on se met à doubler. Enfin c'est fini, on raque au péage. En baissant le pare-soleil, on voit qu'on a pris de l'âge. Après cette voie rapide, on va enfin profiter. Retrouver des plaisirs qu'on avait presque oubliés. On signe un CDI avec que des RTT. Devant nous, le mur se rapproche. On s'émerveille devant les mioches. Alors on se coche sur le rétroviseur. On oublie la peur, focalisée sur nos cœurs. On s'efforce de leur offrir des jours meilleurs. Les jeunes, n'appuyez pas trop sur l'accélérateur. La vie passe si vite quand on est à 100 à l'heure. Vivez-la intensément comme des autostoppeurs. Et le plus important, c'est de bons amortisseurs. Carburateurs, aérateurs et antidépresseurs. C'est le trajet d'une vie. Du berceau à la tombe, c'est souvent une ligne droite. Le trajet d'une vie. Si on sortait de la file, allez hop, je déboîte. C'est le trajet d'une vie. Du berceau à la tombe, c'est souvent une ligne droite. Si on sortait de la file, allez hop, je déboîte. C'est le trajet d'une vie.